Bonjour, Jean-Marc Espel de coachchirigolf.com. Une vidéo aujourd'hui sur comment être bien positionné à l'impact. On va essayer de voir ensemble quelle position idéale à l'impact vous devez avoir pour créer autour de ça un bon swing, ce qui va vous permettre de travailler autour de cette position et ce qui va permettre aussi de se retrouver à l'impact correctement. Alors imaginez un petit peu cette position à l'impact. Je vais vous donner 2-3 points pour essayer de comprendre un petit peu que la position à l'impact, donc c'est ce qu'il y a de plus important au golf. Hein, dans les meilleurs joueurs au monde, leur façon d'être à l'impact est très similaire. Sur tous les très bons joueurs de golf, on voit pratiquement la même position à l'impact. Donc aujourd'hui, on va essayer ensemble de trouver pour vous la position qui va vous permettre de créer mentalement une visualisation pour être correct dans la position d'impact. Donc cette position d'impact, vous imaginez, vous êtes déjà vu dans votre partie de golf à vous retrouver derrière, à vous retrouver devant pour aller taper cette balle. Donc on va mettre en place 3 points pour essayer de comprendre quelle position de golf, de swing vous devez avoir dans la zone d'impact. Elle n'est pas très compliquée, il faut juste arriver à comprendre que pour générer de la puissance dans cette zone d'impact, il faut que le corps se place correctement. Et pour que ce corps se place correctement, il va absolument falloir avoir cette sensation de tourner à travers la balle. Alors, dans un premier temps, la première chose, vous devez avoir le poids du corps 100% sur la jambe gauche. On doit avoir un poids du corps 100% sur la jambe gauche en ayant tourné les hanches en direction de la cible et avoir un bras gauche normalement dans le prolongement de votre bras, le club dans le prolongement de votre bras gauche, pardon. Donc, cette position, dans un premier temps, le premier point, on va essayer de se retrouver les hanches en direction de la cible et le bras gauche dans le prolongement du club. Premier point. Deuxième point, je vous donne en plus un petit exercice que vous devez essayer de mettre en place, c'est d'envoyer le bras gauche en direction de la cible et pour aller positionner votre main droite, vous devez tourner vos hanches. Très important d'arriver à tourner les hanches pour envoyer le club en direction de la cible. Troisième position, il faut absolument que le club pointe en direction de la cible et jamais dans l'autre sens. C'est-à-dire, si vous vous retrouvez à l'impact comme ça, vous n'allez pas pouvoir compresser cette balle et vous n'allez pas pouvoir générer de puissance. Grâce à ces trois exercices, vous allez pouvoir commencer à travailler dans votre position à l'impact. De toute manière, ne vous inquiétez pas, je développe tout un cours sur la position à l'impact dans le lien ci-dessous. Vous cliquez dans la description et là, vous allez avoir tout le cours qui va vous permettre de développer cette position à l'impact pour avoir un bon swing. On va démarrer de la position à l'impact pour générer le swing autour de cette position. Je vous dis à bientôt et travaillez bien ces exercices. Bye bye.